Le numéro 2, donc Eclipse Maker, une fille a du regretté Sodom Maker, le Sodom Maker qui est mort le 5 mai, il y a donc un mois, le jour de l'Ange Joueur Challenge d'ailleurs. Et le jour de la victoire, eh bien tout simplement de la cousine de cette Eclipse Maker. Il s'agit de Vinga. On vient de parler avec le numéro 3 de cette origine. Voici donc une représentante, une autre branche de cette souche, puisque cette Eclipse Maker pouliche le 1er mars, qu'on va faire marcher. Un petit peu marché, où on était. Donc, le 1er mars, le fils de Sodom Maker, un talon qui obtient en tant que père à titre posthume désormais, mais des résultats extrêmement impressionnants depuis 3 ans, alors que ce Sodom Maker est parti dans des conditions peu aisées pour lui. Sodom Maker, il a débuté dans un tout petit haras en Normandie. En gros, il a fait vraiment son succès par lui-même à la force de son. De ses propres sabots. Voilà, Sodom Maker aujourd'hui qui était un cheval extrêmement demandé outre-Manche, notamment par Louis Benitz. Et Sylvie Orly Damien, une fille de Schoenberg, pour 2 victoires, un obstacle à Moulin et à Corbeil. Donc, tente de Vinga, sort de Néapron. Vainqueur du prix Irlandais au deuil, 3e du prix Murat, placé également du prix des Drains, du prix Troyton, avant de mourir au champ d'honneur sur la butte du porte-bar. Voilà donc cette imposante fille de Sodom Maker, Eclipse Maker, dès le 1er mars, présentée par Jacques Speck, donc le numéro 2.